Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je pense que je vais tourner cette vidéo en plusieurs étapes. Mais là je voulais absolument vous montrer la commande Temu que j'ai reçue puisqu'il y a des articles pour ma maman. Chico, le canapé. Donc comme vous le savez, ma maman maintenant vit seule et du coup on essaie de lui faire un maximum plaisir. Donc elle voulait aller à Disney, nous sommes allés à Disney, labyrinthe popcorn. Parrot World, le week-end dernier elle a voulu faire le musée de la Grande Guerre, donc 14-18, puisqu'avant que mon beau-père ne nous quitte, en fait ils étaient en Normandie en fait pour la commémoration du débarquement, donc de la guerre 39-45. Je vous avoue que moi je suis pas une fan d'histoire, je suis pas une fan de musée, mais pour le coup, vu que c'était en reconstitution, c'était vraiment très ludique pour les enfants. On pouvait toucher, enfin voilà, on pouvait parler avec des gens, les gens étaient déguisés et tout, c'était vraiment très très sympa. Donc voilà, et là en fait début octobre, elle nous a inscrite donc à un thé dansant, pardon, sur les années folles. Donc du coup, quand elle nous a inscrite, j'ai été voir c'était quoi exactement les années folles, voir un petit peu les tenues. Donc j'ai trouvé, je lui ai envoyé une photo d'une robe et elle m'a dit « Oh, elle est trop belle, je la veux bien ». Donc je lui ai commandé et je me suis dit que j'allais pas la laisser seule déguisée à ce thé dansant. Enfin, il n'y a aucune obligation de se déguiser, mais je vais pas la laisser seule. Je me suis dit que j'allais le faire avec elle. Et du coup, j'ai reçu les robes hier, mais je suis vraiment très agréablement surprise. Et donc je vous les montre puisque je vais lui donner tout à l'heure. Et si elle lui va bien, ma foi, elle la gardera. Donc je ne pourrai plus vous la montrer. Alors, sur Instagram, je partage quand même beaucoup, beaucoup de choses. N'hésitez pas à me rejoindre. J'essaierai de filmer quand nous mettrons donc, ces tenues là. J'essaierai de vous mettre des photos sur Instagram, ça c'est sûr. J'essaierai de filmer si je peux. Mais je vous invite voilà, à me retrouver sur Instagram parce que pour moi c'est beaucoup plus simple. Donc, pour ma maman, elle a choisi une robe couleur rouge et dorée. Donc qui était à 26,88€. Ouais, c'est ça. Et franchement, elle est trop belle. Je disais à ma mère hier au téléphone. Franchement, elle est super qualitative. Elle est lourde en fait, enfin vous voyez, elle tombe bien parce que moi j'ai essayé la mienne hier, j'ai envoyé une photo. Franchement elle tombe bien, donc vous avez l'avantage que vous pouvez la mettre du côté que vous voulez. Recto verso comme ça, et en bas vous avez tout un système comme ça de franges. Voilà, franchement elle est magnifique. Elle est trop 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 belle. Franchement j'ai hâte que maman l'ait fait ce soir là, voir si ça va lui plaire ou pas, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Elle est magnifique, donc je lui ai commandé ça. Et je lui ai commandé aussi pour ses cheveux un petit bandeau comme ceci, donc à 1,07€. Voilà, donc les années folles, c'est un peu comme les années, vous savez, Titanic. Voilà, ça peut vous parler un peu plus. Voilà, donc ça à mettre sur les cheveux. Oh, bon, je vais mal le mettre, mais bon. Et ça se met sur le côté, je vais essayer de vous mettre, voilà. Un peu, vous voyez, dans ce style-là. Voilà. Donc, donc voilà, donc je lui ai commandé ça. En autre accessoire, il y avait des gants, mais elle en avait. Et collier de perles, elle avait. Donc moi, je me suis commandé une paire de chaussures. Malheureusement, elles sont trop petites. J'aurais dû prendre 39, j'ai pris 38, ma pointure habituelle. Pourtant, je le sais souvent, les filles disent qu'elles prennent une taille au-dessus. En fait, ce sont des petites chaussures comme ça. Alors, je les ai essayées. Elles me vont, mais elles vont me faire trop mal aux pieds. J'espère quand même les reporter un jour, même si je ne sais pas trop à quelle occasion. Peut-être à Noël, remarquez. Voilà, je porte très très peu de talons moi. Donc elles étaient pas chères, elles étaient à 9,68€ avec une petite sangle comme ceci. Franchement elles sont super adorables, mais malheureusement voilà, avec une petite pampille comme ça sur le côté. Franchement pour moins de 10€ pour une, là c'est un après-midi costumé, mais même pour une soirée déguisée, franchement ça vaut le coup. Mais voilà, 38 c'est vraiment trop léger, donc je les ai pas encore demandé en remboursement, enfin en renvoi remboursement, tout simplement parce que j'attends que maman ait fait sa robe. Ça me fait bizarre de dire maman parce que dans la vie privée nous l'appelons Marnie. Marnie. Donc voilà, mais une fois qu'elle aura essayé sa robe, si c'est nickel, bah, je renverrai que les chaussures. Ensuite pour moi je me suis pris une paire de gants. Alors attendez, je vais retirer ça. Donc une paire de gants comme ceci, parce que moi de mémoire j'en avais pas. Je crois que j'en avais pris à Halloween, mais je crois qu'ils sont beaucoup plus petits. Je crois que c'est vraiment gant-gant, là ça va quand même jusqu'au coude. Hop. Hop. Voilà, attends, je vais surmonter ça. Voilà, donc ça donne ça. Vous avez un petit élastique ici. Attendez, il y a mon bas qui s'est pris dedans. Voilà, voilà, voilà. Donc vous avez un petit élastique ici. Et du coup, voilà, pour le gant. Donc vraiment très sympa pour 1,68€. Ensuite, je me suis pris un collier de perles parce que je n'avais pas de collier de perles. Et les tenues des années folles, elles ont souvent des grands colliers de perles. Donc pour 1,04€, je vous montre ça dessus, qui me coupe la circulation. Hein. Hop.
1,04€. Voilà, un collier de perles comme ceci. Donc vous pouvez faire plusieurs tours. Hein. Donc je verrai, mais vous pouvez faire plusieurs tours, plusieurs contours. Pareil, ça se remet n'importe quelle occasion. Hein, voilà. Mais franchement, pour le prix, quand on voit le prix des déguisements en France, vraiment le top. Moi, pour mes cheveux, pour 1,98€, j'ai pris celui-ci. Hop. Hop, hop. Voilà, juste avec les petites plumes assez, assez soft, entre guillemets. Voilà, on peut mettre, je pense que ça se met plus sur le côté. Mais bon, je verrai le jour J. Alors, je vous montrerai ça de toute façon. Comme je vous dis, si je peux filmer un peu, je le ferai. Sinon, de toute façon, il y aura photo sur Instagram. Et moi, en robe, je me suis pris celle-ci, donc à 17,18€. Et moi, elle est noire et dorée. Voilà, voilà, voilà. Et franchement, pareil, je l'ai essayée. Hein. Et franchement, elle est vraiment, franchement, pour 17€, mais trop qualitative, avec plein de sequins comme ça. Vraiment trop trop belle, voilà, donc j'espère qu'on va passer une bonne après-midi. Donc il y a une autre de mes sœurs qui vient avec nous, donc je sais pas ce qu'elle fera, si elle décidera de se déguiser ou pas, elle verra ce qu'elle décide de faire. Mais en tout cas voilà, je me suis dit, je vais pas laisser Marani toute seule déguisée. Soit, eh bien, écoutez, on se fondra dans la masse, puisqu'on sera peut-être tous déguisés ou toutes déguisées, je ne sais pas comment ça va se passer. Soit, bah écoutez, il n'y aura que nous, mais en tout cas, voilà, je suis contente de partager ce moment avec elle. Je sais que ça lui fait super plaisir. Et franchement, quand j'ai essayé la robe hier, j'étais vraiment très très contente. Je trouve qu'elle me va bien et qu'elle fait vraiment jolie. Et que les années folles, franchement, ça devait être vraiment très sympa. Voilà, donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer, mais là, du coup, j'ai pas le temps, puisque justement, faut que j'aille rejoindre Marley. Voilà, donc bah écoutez, je vous dirai, je pense que je refilerai un peu demain. Là, pour vous mettre dans le temps, on est le mercredi 11 septembre. Voilà, donc c'est la semaine de mon anniversaire. Donc j'ai pu aller chercher notamment un petit produit chez Nocibé et compagnie. Donc j'essaierai de filmer peut-être un peu demain matin, un peu vendredi matin, je vais voir. Plutôt que peut-être vous faire une vidéo comme ça complète, peut-être faire par petits éléments, et comme ça je peux vous blablater, vous expliquer un petit peu ce qui se passe, même si ce week-end il ne va pas se passer grand chose puisque je travaille. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous et donc on se retrouve très très vite pour vous dans quelques secondes. Bon, on se retrouve un long moment plus tard puisque j'ai commencé à filmer, je crois, il y a plus d'une semaine. Excusez-moi, et là nous sommes le 21, je suis en train de demander confirmation à Swan, mais pour moi on est le 21 septembre. Bref, donc du coup j'ai pas mal de choses à vous montrer, comme ça je vais pouvoir tout ranger. Tout d'abord on va commencer par une commande Nox. Hop. Donc vous savez que moi j'adore les parfums Nox, j'en ai pas mal, il y en a pas mal que j'ai terminé aussi. Voilà, ce sont des petits parfums qui payent pas de mine mais qui sentent divinement bon et qui sont des équivalents surtout de parfums grandes marques à tout petit prix. Et je vous en parle puisqu'en ce moment il y a moins 25% de réduction donc sur le site. Et si vous dépensez plus de 70€, vous pouvez avoir en cadeau un collier ou un diffuseur de parfum. Donc j'ai repris le 54 qui est l'équivalent de mon insolence de Guerlain. Non, insolence de Guerlain, pardon. Insolence, comme mon insolence, il est un peu plus framboise. Insolence de Guerlain, voilà, il est tout neuf. Puisque bah, le précédent que j'avais, je l'ai terminé. Voilà, j'en ai terminé, comme je vous dis, quand même pas mal. Voilà, donc celui-là est tout neuf. Et j'ai décidé de partir sur deux parfums que je connaissais pas pour les découvrir. Et franchement, je suis trop contente. Donc j'ai pris Attrape-Rêve de Louis Vuitton. Donc autant vous dire que je n'aurais jamais acheté un parfum Louis Vuitton. Je sais pas comment ça peut coûter ce machin-là, mais ça va être horrible. Celui-là j'adore. Ah, ils sont trop trop bons. Donc voilà, donc j'ai décidé de prendre ça pour tester. Et franchement, très bon choix, je suis contente. Après vous avez les notes hein, qui sont notées. Et j'ai décidé de prendre aussi la Attrape-Rêve de Louis Vuitton, c'est 870 pour information. Et j'ai décidé de prendre le 501, c'est le charme sensuel. Et en fait c'est un parfum au phéromone. J'ai arrêté de prononcer. Voilà, j'avais bien envie de tester. Comme vous voyez, je l'ai déjà bien entamé. Et pareil, très bonne surprise. Ça sent très très bon. Effectivement, il est très attirant. On ne sait pas trop pourquoi. Mais il est très très attirant. Alors moi, ça, voilà, je ne vais pas me jeter sur moi-même, n'est-ce pas? Mais vraiment super. Et voilà, bah, comme vous voyez, je l'ai déjà bien entamé. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait découvrir ça à ma maman. Donc, elle avait choisi, elle, trois parfums différents. Donc, elle avait choisi un Chanel, je crois.
Angers Démons et le troisième. Tu te souviens, Swan, c'était quoi le troisième? Non, je ne l'ai pas suivi, moi. Elle en a reparlé hier. Ah non, c'était quoi le troisième? Bon, je sais plus, mais en tout cas, on est super, super, super contente. Donc voilà, donc je vous en parle, puisqu'en ce moment, réduction de 25%, et si votre commande dépasse les 70 euros, donc collier ou diffuseur de voiture offert, en sachant que le diffuseur de voiture, c'est donc un parfum. Donc plutôt cool. Et c'est ce jusqu'au 25 septembre, si je dis pas de bêtises. Donc, je vais essayer de vous publier la vidéo pour demain matin pour vous donner l'info rapidement. Et comme Noël va quand même approcher à grands grands pas, parce qu'on le veuille ou pas, on arrive doucement vers fin septembre. Et d'ailleurs, je vais en passer à Action, comme ça je vais vous montrer. Enfin, dans certains magasins, Noël est déjà dans les rayons. Du coup, bah, je me dis que ça peut faire des idées cadeaux super sympas. Donc Action, justement. Donc on y a été en plusieurs fois. Je ne vous ai pas fait de haul Action parce que j'ai pris quasiment comme chaque fois les basiques. Pour nettoyer la maison, pour le linge, enfin des trucs que je vous avais déjà montré, que j'ai repris parce que ça sent vraiment très très bon. Voilà, mais rien d'extraordinaire. La seule chose que j'ai pris en nouveauté, c'est trois nouveaux pousse-mousse qu'ils ont sortis sur le Roi Lion. Donc vous avez celui-ci de mémoire, ils sont à 1,79€. T'as vraiment aussi la même forme comme j'ai le Mickey. Ah ouais. Ici vous avez Pumba et Timon, voilà en bleu. Et le petit dernier, c'est Simba et Nala en rose comme ça. Voilà, donc je les ai pris chez nous, les pousse-mousse, ça dépose, c'est pareil. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai dû en jeter un et en remplacer, puisque bah, on se lave forcément très souvent les mains. En pêche, j'avais un doute si on l'avait ou pas, donc j'ai pris la petite chauve-souris comme vous ça. Vous ne l'avez pas. Bah écoute, faudrait qu'on vérifie. Il faudrait qu'un jour on ouvre la boîte à pêche pour vérifier ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Mais franchement, elle était trop mignonne, donc on l'a ouvert hier, puisque Swan a mangé les pêches qui étaient à l'intérieur, puisque. Normalement j'ai Ilan et Swan, mais Swan, Ilan pardon, est resté avec ma maman puisque ce matin il avait une journée éco-citoyen où il allait aider à ramasser des déchets en fait dans la ville où vit ma mère. Je suis tombée aussi sur les 4 gloss. Il est où le quatrième? Il est là. Alors qu'ils sont à 1€ pareil, 1€ quelque chose. Donc j'ai pris pastèque, voilà comme ceci. J'ai pris vanille, donc ce sont des petites huiles à lèvres qui sont censées hydrater. Donc je me dis pour ce styleur, ce sera pas du luxe. Et celui-ci est à la fraise. Et le petit dernier, le violet, c'était pomme granate, je crois. C'est pas marqué? Bon, ouais, je crois que c'était pomme granate, il me semble. Ah non, cranberry, pardon. Cranberry. Et ça sent vraiment très bon. Là, il y a un petit peu de rouge à lèvres dessus parce que je. Et ça hydrate, c'est sympa. Voilà. Et sinon, chez Action, donc comme je vous disais, ils ont déjà installé la collection de Noël, truc de fou. La seule chose que j'ai pris, c'est un pull de Noël, puisque bah, je sais très bien que si je le prends pas maintenant, en gros, après, bah, ça sera foutu, hein, très clairement. Donc j'essaie d'en avoir un nouveau un peu chaque année. Celui-là je le trouvais vraiment sympa avec du rose. Comme ça vous avez un bonhomme de neige, un sapin de Noël, un sapin de Noël, un flocon, une canne à sucre, une petite tête de reine. Comme ça un cadeau. Voilà, je le trouve vraiment très sympa. Celui-ci je l'ai pas. Voilà. Et donc il était dans les 9€, entre 9 et 10€. Moins de 10€ mais un peu plus de 9€. Voilà, donc j'en ai pris qu'un seul parce qu'en pull de Noël j'en ai vraiment pas mal. Mais c'est histoire d'en avoir un petit nouveau pour cette année. Attendez, je vais mettre coupe 2 secondes pour m'y retrouver parce que j'ai voulu m'organiser, mais c'est une organisation particulière, on va dire. Alors, on va passer une commande que j'ai passée sur le site de beauté privée. J'en ai une qui est en attente d'ailleurs. Donc, pour 15,90€, j'ai pris un shampoing déjaunissant. Il n'y a pas longtemps, j'ai refait un peu mon balayage. Et du coup, c'est de la marque L'Oréal et c'est le Chroma Crème. Il était donc à 15,90€, donc j'en ai profité puisque généralement les produits comme ça, ça coûte quand même assez cher. Et sur le site de beauté privée, il y a souvent des offres entre, voilà, entre moins 30, voire jusqu'à moins 70%. Donc du coup, j'ai pris ce shampoing. Je ne l'ai pas encore testé, je vous en reparlerai une fois que je l'aurai testé. Mais j'utilise très très souvent moi, des shampoings bleus. Et ensuite, il y avait une vente Clarins, donc j'ai pris 3 produits de la marque Clarins. Et franchement, les 3, j'en suis trop contente. Donc le premier que j'ai pris, c'est celui-ci, donc à 10,80€. En fait, pendant un moment, j'ai adoré le Lip Dior, le Lip Glow de Dior, pardon. C'est un petit rouge à lèvres qui est hydratant et qui s'adapte au pH de vos lèvres et du coup, les colore naturellement.
sauf qu'il est extrêmement cher. Et là, j'ai trouvé entre guillemets une un équivalent, voilà, chez Clarins, et en plus en promotion sur Beauté Privée. Donc il n'est pas du tout cette couleur là il est couleur transparente, voilà, et il s'adapte au pH de vos lèvres, donc il fait des lèvres rosées et en plus il hydrate, donc parfait. Et ensuite j'ai pris deux petites huiles à lèvres, donc 9,90€ pour la première, donc qui est celle-ci, la Lip Intense, donc c'est la numéro 2, voilà, la Lip Intense. Et pareil, je l'ai portée et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et surtout, elle tient bien et elle n'est pas déshydratante, puisque voilà, c'est une couleur comme ça. Elle n'est pas déshydratante, parce que comme je vous l'ai dit, moi j'ai un problème avec les lèvres assez sèches. Et la couleur, c'est un très joli violacé comme ça. J'aime vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Et j'en ai pris une deuxième qui était un petit peu moins chère, donc à 8,90€, donc 1€ de moins, qui est donc la Shimer, c'est la numéro 4, comme ceci. Et pareil, je l'ai déjà porté. Et franchement, à porter, c'est vraiment le top du top. Ah, un appel important, je vous reprends tout de suite. Désolée, donc j'en étais à la 04 Shimer. Donc ce sont, bah, comme ils disent, hein, des Lip Contour Oil. Donc ce sont des huiles colorées. Et celle-ci, elle est légèrement pailletée. C'est un rosé, hein, comme ça, un peu légèrement pailleté. Et surtout, donc, hydratant. Voilà, donc mes lèvres apprécient, parce que sinon, bah, tout ce qui est texture un peu mate ou compagnie, autant vous dire que pour moi, c'est pas cool du tout. Donc voilà, donc c'était super cool qu'ils fassent une vente Clarins. Il y avait aussi des produits pour visage, il y avait des sérums, il y avait des nettoyants visage, enfin, il y avait vraiment de tout. Donc je vous invite fortement à regarder sur le site de Beauté Privée et n'hésitez pas à vous mettre des alertes sur les marques que vous souhaitez, comme ça, quelques jours avant que la vente commence, vous recevez un petit rappel, et donc c'est plutôt cool. Ensuite, donc Sohan est née au mois de juillet. Ma soeur en fait lui avait fait une enveloppe et du coup il s'était acheté des trucs à Disney, mais elle l'a retrouvé en fait, elle avait déjà anticipé parce que ma soeur anticipe beaucoup les choses et lui avait déjà prévu un cadeau qu'elle lui a quand même donné du coup. Donc c'est un coffret comme ceci, c'est pas mon cœur, Deadpool. Donc à l'intérieur vous avez une pop et un t-shirt. Comme ça on va pouvoir ranger et laver le t-shirt. J'adore la pop. Ouais, la pop elle est comme ceci, avec des cannes de Noël. Là, vraiment très très sympa. Voilà, elle est comme ceci exactement. Donc très très cool. Voilà, on va laisser comme ça. Et donc il a eu un t-shirt. Alors c'est du S, il est un petit peu grand, mais il va pas être grand très longtemps. Et franchement, il est trop mignon. Voilà. Donc très 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 sympa. Ouais, elle va être un petit peu grand, mais comme vous dites, ça va pas être. Il écrit pas déjà sur le t-shirt ? Naughty, donc c'est pas sympa. T'es sur la liste des. Enfin, il dit. Il parle à quelqu'un, il dit tu es sur ma liste des mauvais enfants. Enfin, des enfants méchants. C'est comme si toi tu portais et tu disais aux gens vous êtes sur ma liste des enfants méchants. Voilà, maintenant on va le mettre de côté, comme ça on va pouvoir le laver. Je le mets sur le. Ouais, mets-le là. Sinon, toujours pour Sohan, je sais pas si je vous l'avais montré, j'ai un doute. Je lui ai repris une paire de lacets comme ceci sur Temu. Bleu. Oui, si tu veux, je les avais montrés, mais si tu veux, je lui avais commandé en blanc pour avec les baskets qu'il est parti vous chercher qui sont avec des lacets blancs. Et il m'a dit qu'il aurait bien aimé tester avec des lacets bleu ciel. Donc, du coup, bah, je lui ai pris en bleu ciel comme ceci. Et je me suis pris aussi une petite parure de bijoux comme ceci. Pareil, je crois que je vous l'avais pas montré. Parce que j'avais reçu une commande, mais la plupart c'était pas du tout pour moi, donc j'ai tout donné ce qu'il fallait donner. Donc c'est un petit collier comme ceci, de petites perles comme ça, brillantes noires. Allez, hop. Il veut bien, il veut pas, il veut bien, il veut pas. Tu veux pas. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'a pas eu les. Ouais, bah je vais re-regarder mon cœur. Bah alors. Avec une petite perle comme ça. Attends, j'essaie de lui faire. Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il est rebellou? Il est en mode rébellion quoi? Hop. Qu'est-ce qu'on sait pas? Bah, vous voyez, de toute façon, c'est une perle blanche avec deux petits trucs dorés, voilà. Et un collier comme ceci en perles brillantes noires. Et vous avez le petit bracelet qui va avec. Donc pareil, avec ces perles noires brillantes. La petite perle blanche et deux petits trucs dorés. Vraiment très sympa, assez fin comme ça. Tu peux les essayer ou pas? Très très cool. C'est pas celle-là mon cœur. Oui, mais les deux paires je peux les essayer. Oui tu peux, mais c'est pas celle-là. Celle-là c'est du 36, ça va être trop grand pour l'instant. Donne les membres. Ah oui c'est ça. Voilà, en fait. Ah oui c'est les bleus que je voulais mettre. On reprend le bleu comme ceci, vous voyez, du bout de la chaussure. Voilà. Parce que il est en blanc, il est en bleu. Comme Spider-Man et Captain. Mais après tu peux les essayer sans les lacets, il faudrait que je les installe les lacets.
Ensuite, toujours ma soeur pour Sohan, elle lui avait trouvé... Alors, elle avait commandé un truc, je sais plus où, je crois qu'elle m'avait dit, sur Vinted, il me semble. Et elle avait reçu en cadeau du vendeur une petite boule comme ceci. Donc elle l'a offert à Sohan, Sohan l'a découverte. Donc, du coup, il était parti dans une petite de faire une collection, mais apparemment, ça se présente comme ça. C'est pas très très Milanus Valentinos, hein. Ah ouais, tu m'as dit que tu voulais les avoir les autres. Ouais, c'est mignon, mais... Regarde ce qu'il a dans la main, quoi. Ah, attends. Donc en fait, vous avez plein de petits animaux comme ça que vous pouvez recevoir, voilà, différents. Oui, tu peux. Voilà, avec plein d'animaux différents comme ça à recevoir éventuellement. Alors je sais pas du tout d'où ça vient. Et pourquoi, qu'est-ce qu'il a dans les mains? Ah oui, il a une... Et donc Swan, il a eu la petite vache comme ceci. C'est vrai que c'est marqué Valentine, mais enfin, c'est pour la Saint-Valentin, mais méchant entre guillemets. Donc vous avez une petite vache comme ceci dedans. Bah alors, qu'est-ce que t'as aujourd'hui là? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et il a une un truc de, pour faire exploser, quoi. Par contre, sur les fesses, il a un cœur. Voilà, donc c'est mignon. Arrête, mais c'était bien précisé, Vilenius Valentine. Donc les vilains de, de la Saint-Valentin. Ah, voilà, bon. Mais ma soeur, arrête, je lui ai demandé. Et elle m'a dit, je sais pas d'où ça vient exactement, parce qu'on l'avait jamais ouvert. Et elle avait reçu ça en passant une commande, donc comme je vous ai dit, sur Vinted. Là, on est bon, on est bon, on est bon. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, ensuite, donc il n'y a pas très longtemps, donc il n'y a vraiment pas très longtemps, c'était avant-hier, nous sommes partis donc à Dreux. On a été visiter d'ailleurs un domaine royal, je ne sais plus le nom exactement, mais franchement, c'était super et il faisait très très beau et c'était vraiment très très joli à voir. Bref, d'ailleurs j'ai plein de nouveaux magnettes sur mon frigo des sorties qu'on a fait avec Marnie. Hop, voilà. Et du coup, là-bas, sur place, à Dreux, il y avait un... Comment ça s'appelle? Il y avait un Action. D'ailleurs, je crois que c'est là-bas que j'ai trouvé les pousse-mousses. Et surtout, il y avait un Ose. Et du coup, j'ai pris pas grand-chose, mais j'ai quand même pris 2-3 petites choses. Ben, j'ai pris que 3 choses, d'ailleurs, soit en passant. Ils vendaient des capsules comme ceci. Vous savez, Céline m'en avait offert une lors de notre swap. Je crois que c'était le tout premier, il me semble. Même, elle m'en a offert dans le swap de Noël, d'ailleurs, l'année dernière. C'était un double que je lui avais renvoyé. Et il y en avait 3 dans le magasin, donc moi j'en ai pris 2. Et ma soeur a pris le 3ème qu'elle a gardé, parce que je l'ai quand même ouvert, ouvert discrètement, parce qu'il y a une technique pour les ouvrir, voir ce que c'est dedans. Et c'est un doublon, c'était encore la fée clochette. Mais les 2 autres, je les ai gardés, puisque ce n'était pas des doublons, je suis trop contente. Et ils étaient au prix de 5 euros, alors que normalement ces trucs-là sont vendus 15 euros. Donc voilà, c'était cool. Donc Kisha avait joué au jeu pour découvrir quel personnage nous allions avoir. Pareil, elle a été très douée, elle a découvert très très vite. Et Swan, pareil, il a fait le même jeu ce matin, puisque bah voilà, pour tester. Et il a découvert aussi sans problème. Donc nous avons donc eu... Après moi, il y a eu une petite erreur de... Ouais, il y a eu une petite erreur d'aiguillage quand j'ai remis les boîtes. Donc il l'a monté, donc je vais le monter dans mon bureau tout à l'heure. Donc c'est Stitch avec une planche comme ceci de surf et la petite souillon qui est vraiment trop trop mignonnette. Alors, le seul problème, c'est que dans le deuxième, il y a un personnage que je sais pas comment le nom. Ah, je vais regarder. Donc voilà, donc trop trop mignon. J'adore ces petites figurines là, je les trouve vraiment trop mignonnes. J'en ai 4 ou 5 je crois. Oups là. Et c'est vrai que la Masquisha voulait garder que la petite souillon, mais tu vas la paumer la pauvre. Et c'est vrai qu'elle est vraiment vraiment adorable. Attends, je vais retirer là ça après mon cœur. Et le deuxième qu'on ait eu, donc pareil, je ne l'avais pas et je suis trop contente, c'est le roi lion. Donc vous avez donc Simba, comme ceci. Attends, j'essaie de le faire tenir, s'il veut bien tenir Simba. Simba, Zazu, voilà. Et, et la petite planche comme ceci, vous savez, quand il mange avec Pumba et Timon. Voilà, donc c'est trop mignon. C'est vrai, 15 euros, ça fait... Simba est parti. Ça fait cher, mais là pour 5 euros, bon, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de double. Au pire des cas, j'aurais vu pour peut-être faire un échange ou je les aurais mis en vente sur Vinted. Bon, je vais bien les réinstaller, je les installerai dans mon étagère tout à l'heure avec ceux que j'ai déjà. Et toujours chez Nose, j'ai trouvé une veste que Swan adore, la matière pilou pilou. Et je voulais trouver une veste Christian Lacroix. Christian Lacroix, c'est vraiment un très très ancien couturier. D'ailleurs, il avait fait nos tenues pendant un moment au travail. Normalement, c'était vendu 99 euros ce machin-là. Et là, il était à 15 euros. Donc, je me suis dit, pour 15 euros, ça va. Donc, c'est en fait une veste teddy comme ça, mais en matière vraiment toute douce, toute douce. Donc, il va tenir bien chaud cet hiver.
Et il faudrait que Swan essaye, voir si ça lui va. Je lui ai pris en attends, 12 ans. Je sais la montre. Ouais, je lui ai pris en 12 ans et franchement alors, ça va le coup parce que je sais plus son étiquette de base. Mais c'était 99 €. Alors je ne l'ai pas réservé chez eux, mais je comprends pas. C'est parce qu'il faut que je te desserre. C'est, voilà, 99 € de base. Jamais de la vie. Hein. Ouais, je sais pas si vous avez bien vu. Ouais, c'est bon, 99. Et donc on l'a eu à 14,99 €. Et dans le dos, c'est, dans ses deux mains, il y a marqué Christian Lacroix en bleu marine avec les manches un peu blanche beige. Il va nous essayer tout ça et j'aimais bien le côté un peu comme ça. Teddy. Ah si, j'ai pris un autre truc aussi chez Nos pendant qu'il essaye. J'ai pris un Batman quiz, donc il y a 500 questions en fait, et il faut le premier qui atteindra les 20 ans, les 20 points, donc ils disent que c'est pour les 7 ans et plus, 2 à 8 joueurs, et une durée de 15 minutes environ, voilà, donc c'est un petit quiz comme ceci, il était qu'à 1 €, donc je me suis dit que ça nous ferait une petite soirée hivernale quiz, même si je pense que je vais galérer à atteindre les 20 points. T'arrives à l'ouvrir mon cœur? Ah, attends. Je vais mettre coupe, je vais ouvrir vite fait. Voilà, bah Son a enfilé la veste Teddy. Vas-y, recule mon cœur sinon. Ouais, si, c'est bon, recule. Recule. Hop, voilà, comme ça. Vraiment très sympa et surtout, elle doit être toute douce et oui, toute chaude. Voilà. En hiver, j'aurais pas froid. Voilà. Et puis, elle est sympa à porter. Le top du top. Voilà, donc moi, il faut savoir que chez Nose, à chaque fois que j'y vais, je n'y trouve quasiment. Enfin, je n'y trouve d'ailleurs. Jamais rien, donc là j'étais plutôt contente. On finira par mes petits cadeaux d'anniversaire à la fin. On va enchaîner avec tiens, Primark. Alors, ça faisait super longtemps que j'avais pas été chez Primark. Et d'ailleurs je ne savais même pas qu'ils donnaient plus de sacs en carton, pour vous dire, enfin en papier. Donc autant vous dire que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas été. Et je n'ai pas été celui d'à côté de la maison. En fait, on a été à Lille. Et arrivé là-bas, franchement, j'avais pris un gilet, mais c'était pas suffisant. Il y avait un vent vraiment très très frais. Du coup, je suis rentrée chez Primark et je me suis pris un sweat. Donc, j'ai pris le sweat Beetlejuice comme ceci, qui est vraiment trop trop sympa, avec une poche comme ça devant. Donc, il est gris comme ça, chiné. Il a une capuche, donc c'est très très cool. Donc, j'étais vraiment très contente. Je l'ai mis tout de suite. Hein. Donc, j'avais pas besoin de sac. Et dans le dos, vous avez une photo comme ça de Beetlejuice. En sachant que j'espère qu'on va pouvoir aller le voir prochainement avec peut-être Kisha, une de mes sœurs qui adore Halloween. Moi, mais et voilà, j'ai dit à Son ne me spoil pas parce qu'il a déjà vu, donc il a vu le premier puis le deuxième, il a une préférence pour le second. Donc on verra bien. Donc j'ai pris ceci. Voilà, qui était. Il n'était pas donné quand même. Hein. De mémoire, il était à 20 €. Alors je ne saurais plus vous dire exactement, mais il était à 20 €. Et le matin avant de partir là-bas, j'étais partie de la maison et j'avais pris une saucée, vraiment il pleuvait de fou. Donc j'avais les pieds mouillés arrivés là-bas et j'avais peur d'attraper un gros rhume. Du coup j'ai pris 3 paires de chaussettes, du coup j'ai décidé de les prendre en Beetlejuice aussi pour changer de Disney un petit peu. Donc c'est 3 paires comme ceci, donc vous avez blanche et noire comme ceci avec des petites araignées. Vous avez les violettes comme ceci avec le fameux serpent comme ça là. Voilà, avec marqué Beetlejuice en dessous. Non, pas du tout. C'est marqué web, je sais pas quoi. N'importe quoi. Moi, je dis Beetlejuice partout maintenant. Voilà. Non, pas Beetlejuice non plus. Calme-toi, Lily, calme-toi. Il n'y a pas de Beetlejuice écrit. Voilà. Et la troisième paire, ben, je l'ai déjà portée puisque du coup, là, elle sort du lavage. D'ailleurs, je vais pouvoir défaire les autres pour les porter aussi. Je l'avais portée à Lille et depuis, je l'ai remise. Donc, c'est celle-ci, elle est noire comme ça. Avec des petites têtes de mort. Et cette fois-ci, c'est pour ça que j'ai Beetlejuice en tête. Il y a marqué Beetlejuice sur la pointe du pied. Voilà, 4,50 € les 3 paires de chaussettes. Et moi j'aime bien les chaussettes comme ça, un peu basses comme ça. Je trouve vraiment sympa. Donc celle-ci sort du lavage. D'ailleurs, il faut que j'étende mon linge avant qu'on parte demain pour éviter que ça soit retrempé. Sinon, il faudra toujours lave. Ce sera un peu les boules. Ensuite, donc on va passer à Disney. Alors, Disney, j'y suis passée à la base notamment pour pas mal d'articles pick-up pour Céline. Mais j'ai décidé en fait d'en garder vraiment pas mal pour la fin, d'ailleurs tout je crois. Je me souviens plus, mais en tout cas il y a des trucs qu'il faut que j'envoie d'ailleurs parce que c'est pour elle notamment. Elle m'avait confié un t-shirt, enfin ouais, un t-shirt à échanger, j'ai réussi à lui échanger. Et des achats soldes, voilà, c'était ça que je devais lui envoyer. Bref, et du coup, elle m'avait fait une liste un peu wishlist, mais qu'elle comptait me régler. Hein. Et je lui ai dit, écoute, comme il me manque quelques cadeaux et que j'ai peur de sécher ou peut-être de manquer de temps, je les garde et ce sera pour la fin de l'année, donc elle les aura. Et comme l'une et l'autre, on a une mémoire de 4 secondes, je pense que les probabilités qu'elles s'en souviennent sont assez minces. Hein.
Donc voilà, donc bah, vous verrez, découvrirez ça donc sur ma chaîne donc en décembre. Donc, comme nous avons fait l'année dernière, je pense qu'on repartira sur le même principe. Chaque jour, donc je filmerai, je la prendrai en FaceTime, et comme ça vous pourrez découvrir bah, ce qu'elle m'a offert et ce que je lui ai offert. Dans sa wishlist, il y avait un magnète qui était de base à 9€. Ouais, c'est ça. Du coup, je m'en suis pris aussi parce que franchement, il est trop beau. Et pareil, tout comme elle, j'adore les magnètes. D'ailleurs, souvent quand on part visiter quelque chose, j'aime bien ramener un magnète. Là, j'en ai plusieurs nouveaux. Notamment, Kisha m'a ramené cet été d'Espagne et de Tunisie, là où elle a été. J'en ai ramené deux du musée de la guerre 14-18 qu'on a fait avec ma maman. J'en ai ramené un aussi quand on avait été visiter Pierrefonds. Et j'en ai ramené un, bien sûr, du... Comment ça s'appelait ce truc qu'on a visité? C'était genre où sont enterrés tous les rois de France, là. Ceux qui habitent à Dreux, on ne jamais dit, c'est ça. Le domaine royal de Dreux, je crois que ça s'appelle. Enfin bref, voilà. Donc j'en ramène assez souvent. Et là, franchement, il est très beau. Donc comme ça, je vais pouvoir le mettre sur le frigo. Donc voilà, elle m'avait mis dans sa wishlist aussi une figurine Disney qui n'était pas excessive pour le coup, puisqu'elle était à 30-35€. 35€. Et quand je l'ai vue, à cause de Céline, j'ai fini par craquer. Donc je vais vous déboxer la mienne que. Alors j'avais déboxé aussi la scène pour vérifier qu'il n'y avait pas de casse, qu'il n'y avait pas de problème, mais parfait. Donc voilà, donc 35€. Franchement, pour 35€, je trouve que ça va, c'est assez raisonnable dans la figurine. Qui sont plus chers et moins jolis, on va dire moins finis. Enfin, j'essaie de me souvenir quand, parce que la dernière fois j'ai mis je sais pas combien de temps à remettre les deux. C'est dans ce sens là, c'est dans l'autre sens, ça commence les bêtises. Bon, de toute façon, je verrai ça après. Je vais remettre à chaque fois, j'avais galéré, je me souviens la dernière fois. Hop, donc pour l'instant, j'avais laissé sa boîte pour pas oublier de vous la montrer. Donc, c'est une figurine comme ceci. Vous avez Gepetto. Pinocchio, qui prend Pinocchio comme ceci dans ses bras sur un fond comme ça. Par contre, j'ai l'impression que la matière, c'est du plastique, sauf erreur de ma part. Et derrière, vous avez une étoile comme ça, un peu iridescente. Voilà, vraiment très mignonne. Voilà, avec Pinocchio. Alors surtout, il y a des petits... je crois que celle-ci, je l'avais gardée, avec des petits défauts au niveau de peinture, au niveau des doigts, mais c'est vraiment très léger. Après, sur les figurines comme ça, vous avez tout le temps des légers défauts, mais rien de bien méchant. Voilà, donc bon, très contente, franchement, nickel. Je vais la remettre après, parce que sinon, je vous dis, on a pour au moins 10 minutes que je me batte avec ce machin. Et Kisha, en fait, dans la fameuse boutique où seuls les castes peuvent aller, elle a pris un t-shirt comme ceci pour son frère. De base, il était à combien? 25€. Évidemment, elle n'a pas payé 25€. Sur Jack, en fait, elle a trouvé très joli. Et franchement, il est très sympa. Donc voilà, comme ceci. Et sur la manche, vous avez écrit, je crois, le Nightmare Before Christmas. Voilà. Et donc, Swan l'a essayé. Et franchement, voilà, il est super content. Nickel. Donc pareil, il faut que je pense à retirer l'étiquette avant de mettre ça en machine. Je vais essayer de faire un point sur tout ce que j'ai sur la table pour voir si j'ai rien oublié, parce que mon organisation était un peu asymétrique d'anniversaire, ça c'est sûr. Je range un peu, je reviens vers vous. De toute façon, pour vous, il n'y a pas de... c'est dans la foulée. Alors on va passer à la section anniversaire. Donc il y a 7 jours maintenant, donc c'était mon anniversaire, donc j'ai soufflé une bougie de plus. Chez Nocibé, à chaque fois vous recevez une petite offre pour aller récupérer un petit gel douche offert, donc ça permettait de découvrir. Et j'ai décidé de prendre mûr normalement, parfum bonbon à la mûre. Voilà, je crois que je l'avais jamais testé, ce parfum là voilà, donc je me suis dit que j'allais prendre ça. Petit cadeau offert qui fait toujours plaisir, et franchement ça sent très bon. Donc à tester sous la douche et voir peut-être à racheter en coffret plus tard pour notamment des cadeaux de Noël. Mais j'aime beaucoup bonbons à la mûre. Ensuite, donc comme je vous avais montré, ma maman, quand on avait fait les soldes Disney, elle m'avait offert donc la figurine de Jack. Voilà, qu'on avait eu vraiment un prix très intéressant. Mon papa lui me donne souvent des sous, donc là je lui ai demandé de ne pas me les donner à moi, mais de les donner à une association qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'association en fait dans laquelle mon beau-père était. Une association du cœur. D'ailleurs, je vous avais déjà dit qu'il avait fait un clip avec Vianney qui s'appelle Un cœur. Vous pouvez retrouver la chanson sur YouTube, et d'ailleurs on le voit à plusieurs reprises avec un grand sourire et tout, donc c'est toujours super émouvant.
Et ils organisaient toutes les semaines donc, des séances de gym. Donc moi, je pourrais y aller en gros une semaine sur deux. Alors je vous dis en gros parce qu'il y a des semaines où je peux y aller les deux semaines d'affilée. Ensuite, selon comment je travaille, je pourrais pas forcément y aller. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai réussi à faire toutes les séances. Et voilà, ce sont avec des gens qui ont eu des problèmes cardiaques et compagnie, ce qui n'est pas mon cas. Mais pourtant qui me mettent clairement à l'amende, je vous le dis. Voilà, mais c'est un bon moment, ça me fait du bien, c'est vraiment très sympa. Et en plus quand je rentre dans la salle, il y a marqué en fait que 7h30 là est réservée, donc avec le nom de famille de mon beau-père, donc c'est toujours très sympa. Et du coup Keisha a décidé de s'inscrire aussi, donc du coup donc j'ai une de mes sœurs, moi-même, donc Keisha, et il y a bien évidemment ma maman et d'autres gens qu'on apprend à connaître, enfin ma mère et mon autre soeur les connaissent plutôt bien. Mais voilà, donc je suis très contente en fait. Bah déjà comme je vous dis, ça me fait du bien, faire un peu de gym, ça reste un peu style cardio, vous voyez, voilà, on fait du sport avec des ballons, avec des bâtons, avec des élastiques. Et le quatrième truc, avec des petits poids, mais des poids de 500 grammes, oui, ça reste vraiment accessible à tous. Et voilà, donc, et du coup, ça fait des sous pour l'association, donc je suis très contente. Voilà, Keisha, elle m'a offert un Pandora et je suis trop contente, puisqu'évidemment, quand ils sont sortis, je les ai vus direct. Je vous avouerai, j'ai pas craqué pour l'instant, je dis pas jamais je craquerai, mais pour l'instant, j'ai pas eu un coup de cœur. Dans la collection, il y avait donc dans les méchants, il y avait donc. Ah, ça, je sais pas si je vous l'avais montré, je l'avais montré sur Instagram. Donc, il y avait déjà la bague Evil Queen pour laquelle j'ai vraiment un gros coup de cœur. Donc, ça, je l'ai prise. C'est celle-ci là avec le cœur. Chico, celle-ci avec le cœur, celle-ci c'est Ursula, mais celle-ci c'est Evil Queen. Et il y a Maléfique. Donc, tout le monde aurait pu penser que j'aurais craqué sur Maléfique, mais je sais pas, son visage en tout cas sur internet rend bizarre. Enfin, je pense que je le vois en vrai. Il y a aussi Cruella, pareil, c'est le visage qui me pose un peu problème. Et il y en avait deux pour lesquels j'avais un coup de cœur. Donc celui-ci et la carte d'Alice. Et ma fille a choisi celui-ci, mais ça me va très très bien parce que franchement, c'était celui que je préfère en premier. Même si ma fille m'a dit qu'elle avait vu le second et franchement, la carte, elle a hésité parce qu'elle a trouvé magnifique. Mais elle savait que j'avais une petite préférence pour la pomme. Voilà, donc c'est la pomme empoisonnée comme ceci et je suis trop contente qu'il rentre dans ma collection. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas mis mes bracelets Pandora, mais ça va revenir. Chez moi c'est cyclique, hein. Ça va, ça vient, ça part, mais en tout cas bien évidemment jamais de la vie je m'en séparerai. Mais voilà, donc du coup je suis trop contente, en sachant que vous pouvez le porter à votre poignet mais aussi avec une chaîne sans problème. Moi en l'occurrence je vais me recréer un bracelet incessamment sous peu. Je crois qu'en plus Blanchet j'en avais quand même quelques-uns, voire même peut-être pas mal. Et du coup bah, il va rentrer dans ma collection avec grand 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 plaisir. Je suis trop contente, il est vraiment très très beau. Voilà. Et Swan c'était trop mignon parce que quand il a fait les soldes à Disney avec ma maman, en fait il a décidé, bah, pendant qu'ils étaient que tous les deux avec ma maman, de me faire un petit cadeau. Et effectivement à un moment donné il m'avait dit d'aller dans sa tirelire, de prendre une certaine somme d'argent, c'était pas beaucoup, mais une certaine somme d'argent pour les rendre à ma mère. Donc j'avais pas compris, j'avais pas cherché midi à 14h. Et en fait c'est parce qu'il m'avait pris un collier comme ceci pendant les soldes, donc sur la maison hantée. Alors autant vous dire que ça valait grave le coup, puisque ma mère m'a confirmé que les sous qu'il a pris dans sa tirelire correspondaient vraiment au prix d'achat. Donc c'était vraiment moins de 10€, la moitié de 10€ en gros, pour pas vous donner le prix mais pour vous dire à peu près. Ça m'a beaucoup ému qu'il tape dans sa tirelire. Mais par contre je trouve le prix mais carrément quoi. Si je l'avais vu, mais je l'aurais pris direct, mais j'ai pas vu. Donc voilà, en sachant que je vous avais pas montré, donc je l'ai porté hier. Et je sais pas si je pourrais vous montrer d'ailleurs, parce que ma mère n'arrive pas à remettre la main dessus. Elle s'était pris une bague d'ailleurs en solde sur la maison hantée avec Madame Léota, qui était mais magnifique, qu'elle avait payé pareil une bouchée de pain. Mais en fait elle la retirait à chaque fois pour laver ses mains et elle me dit là depuis quelques temps elle n'arrive pas à la remettre la main dessus. Donc si au cas où elle remet la main dessus, j'essaierai d'attraper la main de ma maman, n'est-ce pas, et de lui faire une photo Instagram, parce que franchement la bague est magnifique. Mais pour le moment elle est dans la maison hein, quelque part, mais où ma mère n'arrive pas. Bon, il veut pas faire le focus, il est pénible aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qui se passe, on n'est pas dimanche là, pas le jour de repos là. Allez pépère. Bon bref voilà, Madame Léota, franchement trop trop beau, j'ai été trop contente et très émue qu'il aille dans sa tirelire. Et le pauvre Ilan, il me tanne, il me tanne, il me tanne, il me tanne. J'ai encore vu bah, du coup hier, puisqu'on a mangé
chez ma maman, puisque lui, comme je l'ai dit, est resté pour la journée éco-citoyenne. Et il me dit, mais maman, qu'est-ce que tu veux et tout. Et j'ai pas d'idée, donc je préfère qu'il garde ses sous. Voilà, comme j'ai dit là, ta soeur, elle travaille maintenant, elle est en alternance, donc elle a un petit peu tout qui rentre. Ton frère, en gros, c'est sous combien ça de tirelire. Et lui, je lui dis, pense à toi, voilà, j'ai vraiment besoin de rien. Donc si trouver un truc, je vous le montrerai, parce que bien sûr il est hors de question que je refuse, hein, évidemment, je vais pas le... Et comme je lui dis, franchement, ne dépense pas tes sous. Alors il y a une carte qui traîne, mais pour l'instant ils n'avaient pas réussi à se coordonner pour écrire dessus, donc je pense que ce sera fait demain. Mais la vidéo sera déjà en ligne, mais c'est pas très grave, je vous la remontrerai à l'occasion, puisque tous les trois voulaient m'écrire un petit message dessus. Donc elle tourne, elle retourne, mais il fallait que les trois se coordonnent, et à chaque fois il en manque toujours un ou une. Voilà, écoutez, je suis en train de regarder autour de moi, pour moi je vous ai tout montré cette fois, je n'ai rien oublié, en commande actuellement, je crois que j'ai une petite commande Temu en attente, mais c'est la dernière, j'ai plus rien du tout en attente. Et ici j'ai une commande beauté privée aussi en attente, mais j'avais passé un petit moment, parce que des fois ils vous disent que vous allez être livré assez rapidement, et d'autres fois où ça va prendre un peu plus de temps, et là c'était une commande avec un peu plus de temps, donc je vous montrerai ça quand je l'aurai reçu. Il n'y a pas eu de box, My Little Box, au mois de septembre, ce qui est tout à fait normal puisqu'on a eu donc juin, juillet regroupé, et on a eu août, septembre donc regroupé. Par contre j'ai vu passer, alors je sais pas si ce sera octobre ou novembre, mais en tout cas il y aura un partenariat avec la marque Tarte, donc ça peut être une box vraiment vraiment très sympathique. Donc voilà, et puis bah écoutez, c'est tout, je pense que je suis à jour. Voilà, donc je vais essayer de revenir plus régulièrement en vidéo, comme je vous dis, avec le boulot et tout c'est pas franchement évident. Voilà, en plus on s'adapte au planning des enfants, puisque je les prends, mais ils ont des sorties avec leurs cousins, leurs cousines ou avec ma mère. D'ailleurs demain nous allons rejoindre ma maman. Certainement on ira faire une balade si la météo le permet, puisqu'apparemment ils annoncent de la pluie demain. Donc ça c'est pareil, la météo en ce moment, on commence doucement à rentrer dans l'automne. D'ailleurs je crois que c'est demain l'automne, c'est pas le 21. Je crois que c'est le 21 automne. Enfin bref, voilà, donc je vais pas vous blablater pendant 500 ans. En tout cas j'espère pour vous tout va bien. Moi je suis ravie, voilà, de toutes les petites bricoles que j'ai pu acheter. Et prochainement aussi j'essaierai de vous montrer, juste comme ça pour le fun, tous les magnets que j'ai mis à part, en fait, des magnets Disney, mais des endroits, voilà, qu'on a pu aller. Et franchement on a beaucoup rigolé, ce qui fait beaucoup de bien à ma mère, mais ce qui nous fait aussi beaucoup de bien, on va pas se mentir. Voilà, bah écoutez, je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous, et on se retrouve du coup très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !